guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite. Afficher des posters ou est Miles. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements de posters. Donc vous en avez 2, 4, 6, 7 au total. Donc à Mega City, à Slappy Shore, à Shattered Labs et juste ici sur le gameplay. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement chercher Miles. Donc normalement, il est affiché par un point d'exclamation. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'afficher 3 posters. Ouais, 3 posters, je crois. Pour terminer le défi, on va voir. Donc hop, j'affiche un poster, voilà, c'est ça. Donc vous affichez 3 posters et dès que ce sera fait, ben, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Obtenir des lingots à Brutal Bastion, à Frenzy Field ou à la Citadelle. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 3 emplacements possibles, donc Frenzy Field ici, la Citadelle là-bas et Brutal Bastion. Alors pour obtenir des lingots, vous avez aussi plusieurs solutions. Soit vous ouvrez des coffres et vous obtenez des lingots, soit vous tuez des adversaires et vous obtenez des lingots. Ou soit je pense que si vous prenez le contrôle aussi du point de capture là, je pense que ça vous donne des lingots aussi. Ok, donc déjà quand vous éliminez un adversaire, vous obtenez 15 lingots. Je pense que si vous ouvrez un coffre, enfin tous les coffres ne vous en donnent pas, mais quand vous ouvrez un coffre, ça vous en donne 30 je crois. Et on va voir si le point de capture nous donne des lingots d'or. Et ouais, effectivement, ça vous donne des lingots, donc ça vous en donne carrément 200. Donc dès que vous aurez récupéré 50 lingots d'or aux 3 emplacements que je vous ai montrés, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Éliminer un joueur avant le début de la première phase de la tempête. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est dès que vous lancez la partie, vous sautez directement du bus dans la première ville que vous voyez. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc logiquement, il devrait y avoir des gens avec moi, parfait. Ensuite, vous essayez de choper une arme le plus rapidement possible avant que la phase de la tempête ne démarre. Donc regardez, encore 12 phases de la tempête là. Ok. Donc la tempête se fermera dans 60 secondes. Donc là, vous avez exactement 60 secondes après avoir atterri pour éliminer un adversaire. Donc on va chercher vite fait un adversaire. Ok, j'en vois un qui est juste là. J'ai 60 secondes pour le tuer. Waouh, il m'a mis mal là. Ok, c'est bon, là je l'ai tué. Et regardez, éliminer un joueur avant le début de la première phase de la tempête a été validé. Donc en vrai, vous avez 60 secondes pour éliminer un adversaire. Et dès que ce sera fait, ben, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et si vous avez de la difficulté à réaliser ce défi, n'hésitez pas à lancer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment faire, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous indique comment créer une partie uniquement contre des bots. Survivre jusqu'au top 50 sans réussir d'élimination. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Mega City juste ici sur le gameplay. Voilà. Et vous vous rendez vraiment au-dessus du dragon ou du loup, hein, je sais pas trop ce que c'est exactement. Mais vous vous rendez juste au-dessus et vous restez dans les airs comme ceci jusqu'à temps que 50 joueurs soient éliminés. Donc le nombre de joueurs restants, il est marqué ici à gauche. Vous pouvez voir qu'il en reste 99. Donc dès que vous arriverez, dès qu'il sera noté 50 en joueurs restants, hein, pas dans les parenthèses parce que les parenthèses c'est des équipes qui restent, donc les équipes restantes. Et dès que vous voyez que le nombre 50 de joueurs est bon, ben là vous pouvez faire des éliminations. Mais il faudra faire aucune élimination jusqu'à temps qu'il reste 50 joueurs restants. Donc normalement si vous restez là, ben, vous allez être tranquille. Hein. Après, si vraiment vous devez bouger à cause de la zone, moi ce que je vous conseille c'est de vous cacher dans la zone, mais dans un bush ou dans une maison, dans un toit de maison, jusqu'à temps qu'il reste 50 joueurs restants. Dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Posséder 5 objets de niveau de rareté différents. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir une arme grise, une arme bleue, une arme verte, une arme violette ou une arme en or. Donc là, regardez, je vais obtenir les 5 raretés que je viens de vous citer. Et là, boum, ça va réaliser le défi. Après, il y a d'autres raretés. Hein. Il y a les raretés aussi exotiques. Et il y a les ravageurs aussi, les armes ravageurs, je pense, que ça fonctionne aussi comme rareté. Bon, voilà, c'est possible qu'il y ait d'autres raretés. Mais si vous avez les 5 raretés que je viens de vous présenter, donc gris, vert, bleu, jaune et mauve, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCF.